libération de Mohamed Ali Agh Madoucène et trois autres. La paix et la réconciliation ne peuvent pas passer sur la promotion de l'impunité. Bamako, le 9 décembre 2004. Les autorités maliennes viennent de libérer Mohamed Ali Agh Madoucène, Aïba Agh Akcherif, présumé terroriste, ainsi que Ousmane Ben Goussi et Habib Ould Maoulouti, auteur présumé de graves violations des droits humains du Mali, en échange de l'otage français Serge Lazarevitch. Tout en saluant la libération de Serge Lazarevitch, nous, organisations, restons indignés de la libération de quatre auteurs présumés de violations des droits humains et appellent les autorités maliennes à stopper l'hémorragie. À la veille de la journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en pleine semaine des droits de l'homme, les autorités maliennes ont procédé à leur énième libération des auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme. Mohamed Ali Agh Madoucène, impliqué dans deux dossiers différents, dont le premier en phase de jugement et le second en instruction, est un déserteur de la garde nationale du Mali, contingent 2009. Arrêté par la sécurité d'État le 10 décembre 2011 à Gao et mis sous mandat de dépôt en mars 2012, il est poursuivi pour terrorisme, association de malfaiteurs, prise d'otages et séquestration. Il est l'organisateur principal de l'enlèvement de deux Français, Serge Lazarevitch et Philippe Verdon, le 24 novembre 2011 à Ombori, dont le dernier a été assassiné en mars 2013. Le 18 juin 2014, il s'échappe de la prison centrale d'Arles.